place, place à la santé. Bonjour, nous parlons des MICI, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, des maladies de l'intestin. Ce sont des pathologies pour lesquelles le suivi par un gastro-entérologue est nécessaire. Quel impact ces maladies ont sur la vie des patients? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au docteur Maria Nachuri, elle est gastro-entérologue. Alors les MICI impactent la qualité de vie déjà par les symptômes. Imaginez, hein, quand on a des douleurs abdominales au quotidien, besoin d'aller aux toilettes plusieurs fois par jour, il va y avoir un impact sur les possibilités de travailler, de sortie, de loisirs, etc. Et puis les patients avec une MICI ont fréquemment de l'anxiété, du stress, des troubles du sommeil, de la fatigue. Donc tout ça a un impact sur la qualité de vie. Aujourd'hui, quand on voit un malade en consultation, on lui pose la question, on lui demande où il en est sur tous ces éléments de sa vie. Et c'est là-dessus qu'on évalue l'efficacité des traitements. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site micisansfiltre.fr. Cette émission a été préparée avec le soutien de Janssen. À demain. Thank you.